2. À partir du verset 19. From verse 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Élisée dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Je vais vous parler pendant toutes mes interventions sur le mystère de l'onction. L'onction de Dieu qui est la puissance surnaturelle de Dieu. The anointing of God, which is the supernatural power of God. Et l'onction de Dieu résout tous les problèmes de la vie. Ésaïe dit, l'onction brise le joug. La graisse fait éclater le joug. Le joug, c'est quelque chose qui pèse. Le joug, c'est la contrainte. Une contrainte morale, contrainte matérielle, contrainte financière, contrainte physique. Quelque chose qui pèse sur vous. C'est la servitude, c'est la dépendance. Et c'est ce qu'on appelle le joug. Par exemple, un malade, on lui dit jusqu'à ta mort, tu prendras des médicaments matin, midi, soir. C'est un joug, c'est indépendant. L'onction brise le joug. Et je viens ce soir dire à quelqu'un, tout ce qui te contraint, tout ce qui pèse sur ta vie, il y a la puissance de Dieu. Et cette puissance brisera cette servitude. Sera brisé. Quand Dieu dit l'onction brise, ça veut dire que quand l'onction croise la maladie, croise le mauvais sort, quand l'onction croise les démons, l'onction met en morceaux. Et quand cela est en morceaux, ni le diable, ni les sorciers peuvent ramasser les morceaux et remettre la chose. Tout ce qui te fait pleurer sera brisé aujourd'hui. Tout ce qui te contraint sera brisé parce que l'onction brise toute servitude. Nom de Jésus. L'histoire que nous venons de lire, c'est Jéricho. Il y avait un joug qui pesait sur Jéricho. Pendant des centaines d'années, la mort est entrée dans Jéricho. Parce qu'un homme de Dieu avait prononcé des paroles. Il avait maudit Jéricho. Il avait dit, il n'y aura plus de vie dans Jéricho. Et celui qui rebâtira Jéricho, c'est au prix de ses enfants. Ces paroles sont sorties. Ces paroles ont touché Jéricho. Josué a parlé et la sécheresse est entrée. La mort est entrée. Les eaux étaient amères. Les gens s'aimaient. Ils ne peuvent pas récolter. L'eau était amère. Les gens commençaient à fuir, aller s'exiler ailleurs. Les bétails mouraient. Les champs périssaient parce que les paroles de Josué avaient atteint la ville. Et pendant des années, différents prophètes sont passés. Personne n'a guéri Jéricho. Même Élie, puissant prophète, n'a pas guéri Jéricho. La dernière ville qu'Élie a foulée de monter au ciel était Jéricho. Il a laissé Jéricho malade. Peu importe les paroles prononcées contre ta vie, l'onction va enlever cela. Quand Élie est monté, il a laissé son manteau à Élisée, symbole de l'onction. Et Élisée, il a hérité le manteau d'Élie. Il a hérité l'onction d'Élie. Il a hérité une double onction. Et lorsqu'il arrive à Jéricho, les gens de la ville sont venus lui dire, le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. La stérilité est là. La mort est là. Mais pourquoi ils n'ont pas dit ça à Élie? Parce qu'Élie était le maître d'Élisée. Et Élisée va dire, amenez-moi à la source. Donnez-moi un plat neuf avec du sel. Il est allé à la source et il a parlé. Il a jeté le sel et il a dit, j'assainis ces eaux. Enlève la malédiction. Proclame la vie. Amène la guérison. Ainsi dit l'Éternel, la Bible dit, l'instant même, les eaux furent assainies. La vie est rentrée à Jéricho. Pourquoi Élisée a réussi? Mais comme Élisée a eu une double, ça l'a placé au-dessus des paroles de Jésus. Mais ce soir, je ne parle pas de double portion. La Bible dit, Jésus nous a donné l'onction sans mesure. Elle brise la maladie, brise le mauvais sort. Je prophétise, je déclare au nom de Jésus, parle à la source de ta vie, à la source de ton malade, à la source de tes finances, et la guérison arrive, et la délivrance arrive. Au nom de Jésus, celui qui est d'accord dit amen. Hallelujah. Que toute mauvaise parole prononcer contre ta vie, que l'annule au nom de Jésus. Ce qui ne marche pas, partie de ce soir, que cela marche, que la vie entre en toi. La vie dans ta santé, la vie dans tes affaires, la vie dans ton ministère, la vie dans tes affaires. C'est lui qui dit amen. Cela arrive. C'est lui qui dit amen. Puissance arrive. Il dit, il n'y aura plus ni mort ni
saint comme un prophète de ta vie. J'annule toute mauvaise parole prononcée dans les ténèbres, dans la sorcellerie, contre ta santé, contre ce ministère. J'annule cela, je prophétise. La vie, tu vas s'aimer, tu récolteras. Adapter aujourd'hui le cycle infernal de ta vie. Je le stoppe aujourd'hui. Des maladies chroniques, je le stoppe aujourd'hui. Maladies héréditaires, je le stoppe aujourd'hui. Que la guérison entre dans ton corps. Que la délivrance entre dans ton corps. Que la vie entre en toi. Si tu es d'accord, donne-moi une main. Élisée a dit, montrez-moi la source. Il est allé à la source. Il a jeté le sel et il a parlé. Ce soir, je ne connais pas la source de ta vie. Je ne connais pas la source de tes affaires, de tes malheurs, mais en esprit, par la foi, je parle à la source. Même dans ton village, par la foi, j'arrache là-bas. Ah oui, je vais faire. J'arrache la matérialité. J'arrache le travail. Je vais faire. J'arrache ton élévation. J'arrache ta grandeur. J'annule toutes les paroles. Au nom de Jésus. Saison arrive dans ta vie, dans ton travail, dans tes finances, dans ton mariage, tout ce qui te bloque. Je le brise. I put it down. Après ce soir, les choses vont changer. L'onction brise le jour. The anointing is breaking the yoke. L'onction brise le jour. Je vais terminer. Élisée a dit, à partir d'aujourd'hui, from today, il n'y aura plus ni mort, there are no dead people, ni stérilité. No stérilité. La vie est rentrée à Jéricho. Si tes affaires sont stériles, si ton travail est stérile, si tes finances sont stériles, aujourd'hui, today, je chasse la stérilité. Au nom de Jésus. Prospère, va de l'avant, marche la tête haute. Toute parole de malédiction est annulée. La maladie ne peut pas rencontrer la puissance de Dieu et rester maladie. La malédiction ne peut pas rencontrer la puissance et rester malédiction. The curse cannot meet the power and stay as a curse. Partout où quelque chose rencontre la puissance, something is meeting the power. C'est brisé. It's broken. Si la mort rencontre la puissance, it's meeting. C'est la vie qui arrive. Si la stérilité rencontre la puissance, c'est la maternité qui vient. It's maternity coming. Si c'est le célibat, if celibacy, qui rencontre la puissance, meeting power. Le mariage arrive. A marriage coming. Si c'est le blocage, is the blocking, qui rencontre la puissance, meeting the power. C'est l'avancement qui arrive. Is to go further coming. Que tout blocage dans ta vie, every blockage in your life, soit annulé ce soir. Become so tonight. Au nom de Jésus. Hey, Jesus. Que toute sécheresse, that every dryness, dans ta vie, in your life, soit brisée au nom de Jésus. Be broken in the name of Jesus. Je lève ma main droite et je libère des paroles. Là où on a proclamé la mort, je proclame la vie. Là où on t'a condamné à la stérilité, what they condemn you to sterility, je proclame la fertilité. I proclaim that you are fertile. Là où on t'a condamné au chômage, what they condemn you to the unwork, je prophétise le travail. I proclaim that you will work. Lève les deux mains. Lift up the two.